vous regardez ETV. La CNJT a souhaité se retirer du CIVAD, c'est son droit le plus absolu. Mais quand on quitte ainsi, il y a des règles, il y a des lois à respecter, il y a le passif et l'actif à examiner. On ne peut pas partir ainsi sans rendre des comptes. Et donc il y a les intérêts des emprunts à rembourser, qu'on a contractés ensemble. Il y a les travaux que nous avons réalisés qu'il faut amortir. Il y a la réhabilitation de la décharge, hein, qui est un gros chantier, qu'il faut continuer à suivre, ça a un coût. Donc il y a le personnel surtout du CIVAD, à peu près 70, 67 à 70 agents. C'est comme un divorce. On veut divorcer, on a trouvé une belle femme, hein. On veut faire sa vie avec et abandonner l'autre. Hein. Eh bien, on a des enfants, eh bien, il faut s'occuper du sort des enfants, on ne laisse pas, on n'abandonne pas pour le conjoint.